Ah, t'es là. Ignorance, dépêche-toi, il est 8h, il est l'heure d'aller à l'école. Oui, oui. Ah, t'as même pas préparé tes affaires, dépêche-toi. Bah, c'est bon, là, je suis en train de les préparer. Ah, t'étais encore en train de jouer avec le chat. Mais écoute, non. N'oublie pas de le mettre dans sa lit, dans son lit, oui, 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 d'accord, oui, et tu l'enfermes. Hein. Oui, d'accord. Allez, dépêche-toi, je t'attends. Ouais, ouais. J'en ai vraiment marre des cours en ce moment, c'est vraiment ennuyant. J'ai une idée. Et si je prenais le chat à l'école? T'en penses quoi? Tu veux bien que je te prenne à l'école? Oui? En plus, toi, comme ça, tu vas pas t'ennuyer. J'ai une trop bonne idée. Bon, bah, j'arrive, hein. Allez, hein, je viens à l'école, j'arrive. Ah, nickel. Bon, je vais te mettre dans un petit palmier, comme ça, tu vas être très à l'aise, d'accord? D'accord? Allez, viens. C'est bon, Lévi, t'es prête? Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Fais pas trop de bruit, hein. Oui, 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 j'arrive. C'est l'heure de l'école, là, bien. Oui, oui, t'inquiète pas, je mets mon sac derrière, hein. Ok. Bon, Lily Rose, j'espère que tu n'as rien oublié. On est un peu en retard, là. Oui, oui, t'inquiète pas, je veux arriver la première en classe, d'accord? T'inquiète pas, on n'est pas du tout en retard, tout va bien se passer. Bonjour. Bonjour, Lily Rose. Oui, bonjour. Je suis la première à être arrivée, tu peux t'en... Oui, oui. Où tu veux. Merci. Tu restes ici, d'accord? Tu restes à mes pieds, parce que sinon ça va pas du tout le faire et le prof, il va te voir. Tu vas devoir rentrer à la maison, d'accord? Si tu veux rester ici, c'est bien aussi, hein. Allez, Murphy, reste là. Bon, comme t'es la seule élève qui est là et qui est bah, tout simplement oui en cours, eh ben je pense qu'on va faire une interrogation surprise. Quoi? Une interro surprise? Mais on n'avait rien à apprendre. Bon. Sur quoi portera cette interrogation surprise? Les verbes... Non, Murphy! Non, non, non! Reviens ici! C'est pas possible! Ah, mais... Je sais vraiment pas quoi faire, en fait! Ah, mais... Ça sera sur quoi, cette interrogation, cette évaluation? Ah, mais je sais pas du tout! Ah, j'en sais rien! Murphy! T'es où? Reviens ici! Où tu te caches? Non, mais c'est une blague! Le chat, il s'est enfui, mais pas dans la classe! Je le vois nulle part! Non, c'est pas vrai, je l'ai pas perdu quand même. Ah, les tables de multiplication. La table de 9 sera parfaite. Bah tiens, mais qui on va pouvoir... Bah, Lily Rose, tiens, on va t'interroger. Oui, d'accord, pas de soucis. Sur quoi vous voulez m'interroger, monsieur? La table de multiplication et la table de 9. Alors, 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, oui. 3 fois 9, 23. Bah quoi, c'est pas bon? Allez, on recommence depuis le début, 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 42. Mais ça va pas du tout, Lily Rose. Bon, monsieur, j'en ai marre, là. Faites quelque chose de un peu plus facile, parce que moi, la table de 9, j'en ai marre, en fait. Tous les jours, vous m'interrogez, moi. Bon, je sais que je suis toute seule et qu'il n'y a plus personne à interroger, mais justement, il n'y a personne. On pourrait faire des trucs bien, quoi. Ah, c'est pas parce que vous êtes toute seule qu'il faut vous trouver des excuses. Ah, pff, on va quand même trouver autre chose. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de la table de 9? Bon, je vais me remettre à la recherche de Murphy parce que là, je sais vraiment pas où il est. Te caches-tu, Léo? Tu sais, tu peux venir, hein? Oh, purée. Oh. Il est pas dans un sac, par hasard? Non, tous les sacs sont fermés. Pourquoi je cherche là? Je sais très bien qu'il est pas là. Lily Rose, votre oncle. Oui, 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 j'étais en train de mettre un truc à la poubelle. Allez, oui. Ici. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, présentez-vous en anglais. Hello, my name is Nine. Votre prénom I have, cat. Vous avez un chat, c'est très bien. Non, 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 my cat is absent. Votre chat est absent? Yes. Pourquoi? Il est ici, votre chat? Non, non.
Décidément, tout ce qu'on a fait cette année, ça aura servi à rien. Bon, vous savez quoi, Lily Rose? Je vais copier quelque chose au tableau et vous allez juste recopier ça sur votre feuille. Tiens, où est ma craie? J'en ai vraiment marre de cette école. En plus, je suis toute seule. Elle est tellement nulle que personne veut venir. Et en plus, j'ai perdu mon chat. Je pense qu'il est allé dans une autre classe. Non, mais la tête du prof quand il va voir un chat qui rentre dans sa classe. J'imagine même pas. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment perdu, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat ici ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il est allergique au chat. Mais il va se rendre compte qu'il y a un chat ici. Bon, après, j'espère qu'il va pas le trouver parce que moi, je le trouve pas. Alors, je vois pas pourquoi lui, il le trouverait pas. Mais bon, quelle idée d'avoir ramené mon chat. J'avais totalement oublié qu'il était allergique. Je suis allergique au chat, sinon j'éternuerai pas. Quoi? Un chat? Mais enfin, comment ça se fait qu'il y a un chat? Il n'y en a qu'un seul d'élèves. C'est forcément toi. Non, c'est vraiment pas mon chat. J'ai pas de chat, vous savez très bien. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un chat. Je vais appeler vos parents. Mais tout non, de suite. Non, les appelez pas, ils sont au travail. C'est pas mon problème. Oh, désolé, petit votre chat. Votre carnet de correspondance. On n'a pas de carnet, en fait, monsieur. Eh ben, j'ai si. Oublié mon carnet. Eh ben, je vais chercher moi-même dans votre... Oui, bah, écoutez, monsieur, je vais m'en aller, parce que là, il y a personne, en fait, donc, au revoir. Au revoir. J'aurais jamais dû toucher ce chat. Au revoir. Revenez. Au revoir, monsieur. Comment je vais faire, Lily Rose? Elle a ramené son chat, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Bon bah, les amis, là, je comprends pas. Je cherche les chats. J'ai trouvé qu'un seul chat. Et ils sont nulle part, là. Je dois les emmener chez le vétérinaire pour qu'ils fassent leur examen de santé. Là, parce qu'ils sont nés il y a 3 mois. Et impossible de trouver les chats. Donc, ah, c'est bizarre, mon téléphone sonne. Peut-être que Peppa Pink les a trouvés. Allô? Comment ça? C'est une blague? Attendez, je vous rappelle. Les amis, c'est le prof de Lily Rose qui m'a appelé pour me dire qu'elle a ramené le chat à l'école. Mais elle est totalement folle ou quoi? Bon, les amis, là, j'ai pas de temps à perdre. Je vous retrouve plus tard. Non, mais elle est totalement dingue. Je vais devoir aller à l'école pour chercher le chat. Je rêve.